Salut public, salut Dylan, c'est Franck Dubosc. Allez, je n'écrirai pas aucun nom. Voilà, soyons clairs. Alors, comment ça va la team? C'est bon, on est là pour chill, tout va bien. Bonsoir, hein, bonsoir. Allez. Sans plus attendre, bien évidemment. Ici. Oui. Ah, je suis pas en plein écran. Attention, ça leak les favoris au secours. Vite. Hop là. Faisons un petit Kem Medal pour commencer, bien évidemment, en finesse. Comme premier jeu, nous allons tout simplement mettre Minecraft. Je n'ai aucun contrôle sur la playlist. Ce ne sont que des covers acoustiques. Allure. Oh, c'est un jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas sur Linux, PC, Mac, Android, Switch, Xbox One, PlayStation 4, iOS et Amazon. Comment ça? Ce jeu n'existe pas donc. Hop là, c'est cadeau. Starfield? Non mais alors le son. D'accord. Pas sur PC, pas sur Xbox, pas sur PS4. On est où là? Entre 2011 et 2023. God of War Original. Troisième personne. D'accord. Pas sur PlayStation, mais c'est. Ça se joue sur quoi? Faire. Troisième personne. Action probablement. Action aventure. Oups. Did it again. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Pas Capcom, pas Bethesda, pas Mojang. Action aventure. Sur aucune console. Oh, ça faisait le date. Link to the Past. Pas du tout. C'est probablement Nintendo. Aventure action sur Nintendo. Mario. Galaxy. Troisième personne. Sur Wii ou Wii Solo coop. En 2023-2017. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Un indice. Chez vous. Amityville.
C'est Amityville. Amityville, c'est pas genre. C'est pas un truc d'horreur, ça? C'est un Resident Evil? Resident Evil du coup. Non mais Resident Evil sur Switch, sur Nintendo, en solo. Allez, celui-là au pif. Pas du tout. Hein? Entre 2015 et 11. Solo coop. Troisième perso. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est pas un cadeau celui-là, merde. C'est Nintendo, visiblement. Solo et coop. Putain, alors là. Zombie où? Ça n'existe pas. Pas fait un truc dans le genre là? Bah là, mec, ça me paraît. Visiblement, c'est pas sur Switch, ni PC, ni Xbox. Box, pas celui dernier en tout cas. Pire, le malade, oui, quand même. Hein. Tiens, celui-là, American Nightmare. Oh lolo. 2012-2015. Solo coop, troisième personne. Pas Aurore. Pas Aurore. Aventure action. Sur Wii U. Oh, Devil. Sur PC console, ça. Ah bah. Oh putain, il reste plus qu'un. Ah, il reste plus qu'une vie. Oh, PS2. En même temps, c'est Nintendo, donc c'est une exclu Nintendo. Ah bah Bayonetta oui. Allez Bayonetta, hop le 2. Blague. T'as mis sorti que sur Wii U. J'aurais tapé Dynasty Warrior, on y arrivait hein. Portel du cul. Faisons le mode artwork que je n'ai jamais fait. Oh. Putain. Ça Metroid ça. Le 2. Peut-être pas finalement. C'est un Mario là? C'est pas beaucoup trop simple, trop coloré. C'est pas la bonne console, je pense. C'est pas un Metal Slug ça. Pourtant. Oh. Est-ce qu'il y a des indices dans ce mode? Pas sûr. Hein. Nintendo, ses couleurs? Ah. Ah, le voilà.
C'est lequel maintenant? Putain, il y en a 36 000 là. Le 3. Corée Saga, ouais, merci, ouais. Mégane, non. Gaman 2. Incroyable du. Ah oui, d'accord. Ah, okay. Ah oui, c'est pas le. C'est pas le même écran en fait. Très bien, très bien, très bien. Puis guess, c'est. Ah oui. Allez, un deuxième guess, soyons fous. Dynasty Warrior 8. Alors. Ok. C'est peut-être un truc 8ème up. Ah, donc pas du tout un Tekken en fait. Aventure avant 2013. Oh bah Alan Wake tiens. Bien cette image là, comme ça. Alors. Donc, visiblement aventure surtout. Avant 2010, bordel. Pas Microsoft, ok. Troisième personne, mais pas que. C'est évidemment Minecraft. Ça m'aide pas du tout. Thriller, horreur ou action? Première et deuxième personne. Oui, première et troisième personne éventuellement. Avant 2010. Oh. Action horreur ou thriller. Mais Resident Evil, c'était. Ça marche pas en fait. Bah non. Avant 2005, pardon. Comment? C'est pas un shooter. Morrowind. Après 2002. Ah oui, mais elle oui. Un indice. Action. Aventure action entre 2002 et 2005. Voilà, première, troisième personne, mais pas que. Comment ça? Half-Life 2? Pas du tout. Ajouteur. Ah. Entre 2002 et 2004, donc 2003. Ouais. Première et troisième, et pas que. Visiblement en coop ou multi. C'est pas un shooter. Wow. Huh. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Pas Microsoft. Uncharted le premier pas en 2003, jamais. Non mais jamais. Jamais, jamais, jamais. Un Crash Bandicoot?
Non. Sûrement pas, non. Plateforme aventure. Ah. Ça évite pas mal, là. Plateforme aventure action. En 2003, logiquement. Pas de Mario Multi en 2003. Beta Slug, c'est pas. Pas première personne. Ratchet & Clank, ouais, non. C'est première personne, troisième et autre chose. Ils ont fait un vieux remaster de son cul là, piqué en vert. Plateforme aventure. Action. Qu'est-ce que... Non. Non, non, non. Portal. C'est pas valeur. Oh. Plateforme aventure. Première personne. Et troisième personne. Ça bloque mon cerveau. Après, exclu, non, exclu PS2, non. Pire. Ah bah non. Ah mais c'est pas Sony non plus. Ah oui, bah non, bah non. Première, troisième personne, plateforme. Ça bloque ma tête, ça. Ça fait des pets de cerveau, là. Limite, j'aurais pu mettre un roller coaster, mais non. Plateforme aventure action. Pas Microsoft, pas Sony. Pas Capcom, pas Bethesda, pas Valve. Pas Quay. Solo et multi au coop. Ah première et troisième personne plateforme. Pac-Man. World 1. Sonic. Troisième personne isométrique. Ça n'a jamais été première personne en fait. PC, PS, Xbox, GameCube. Peter. Putain de Peter de Sonic là. Allez, un troisième, allez. Parce que je vois sur le côté. Splinter Cell Conviction. 2010, troisième personne, pas Ubisoft. C'est un Gears of War 3. C'est pas shooter, bordel.
Non. C'est pas un shooter, faut que j'arrête. La planète perdue. Le 2, le 3 et le extrême. Le 2 c'est le plus vieux, I guess. Pas shooter, action. Oh. Dead Space. Un peu un shooter Dead Space. Hein? C'est solo. Solo sur PC Linux, PS3 Xbox. Action science-fiction. Pas électronique, pas Ubisoft, pas Capcom. Solo, c'est un jeu solo. Pas du tout. C'est pas un shooter, bordel. Hitman, c'est pas un shooter, Hitman. C'est un shooter, Hitman, bien évidemment. Un indice. Phoenix Engine. Relique. Oh. Merde, relique. Fable? C'est une exclu. Pourquoi c'est plus quelque chose, le relique là? Phoenix, non, Phoenix ça me dit rien par contre. Relic c'est pas Halo ou je sais pas quoi là? Fallout, un des deux? Ou les deux? Relic. Troisième personne solo en plus. Darksiders. Ah. Ah. Ah bon? Darksiders, c'est relic. Sont pas. Attendez, faut que je Google. Phoenix Engine. Gamme. Relique. Warhammer, ah, Relic Entertainment, East of Games, oui, Company of Heroes, Age of Empires 4, d'accord, next, non, écoutez, compliquons-nous la vie tout de suite, avec les films. Hop là. Alors. Alors, les films c'est galère, moi j'y connais rien, donc on va taper les seuls films que je connais, Deadpool, bien évidemment.
Alors. Katy Perry. Film américain, comédie américaine avant 2006. Douze. Parfait. Canal Plus Film Box. Non. Canal Plus américain. Comédie 2012. Avec absolument personne dedans, visiblement. Johnny Depp. Ah bon, il était dans ce film, lui. Bref. Pas action, pas aventure. C'est un truc romantique. Smith machin, là. Ah. Entre 2005 et 2012, Netflix, Canal Plus, c'est Netflix. Comédie drame. Bizarre le bruit de la musique. Comédie et drame, alors là, tout ce que je regarde pas là. Au secours. Pirates des Caraïbes, c'est comédie drame. Comédie drame. Dead, oui, c'est que c'est 2004. Pas d'acteur dedans non plus. Comédie trame. Il n'y a pas un seul acteur, il y en a 40 dedans, il n'y en a pas un. Bienvenue à Zombieland, du coup. Oula. Ça marchera pas, mais. Emma Stone. Oh. Oh. Sur Molotov TV, quoi. Ce qui se pas arrêté, vous montez. Emma Stone, 2009-2012. Comédie drame. Emma Stone. C'est pas elle hein, là-dedans, mais bon. Ted. Attendez, tu vois, j'apparais. Sex Friend. C'est pas elle non plus dedans, mais bon. Natalie Portman, bon. Bizarre, j'ai pas retenu qu'elle était là-dedans. Anyway. Comédie, drame, romance. Oh. C'est pas comédie ça, mais. 2016. Oh. On prend quand même pour les acteurs. Rien du tout. Comédie, drame, romance. 2011. San Andreas, bien évidemment. 2015. Alors c'était 2012. 2009, non. La Land, c'est aussi vieux que ça? 2011, pas du tout. Du tout, voyons, faut monter. Ça peut prendre un acteur, hein. Ouais, je prends. J'ai tapé quoi? J'ai tapé du coréen. Il voulait la lande là. Blague. Ryan Gosling. Oh. On a gagné Ryan Gosling. Ryan Gosling, Emma Stone. Comédie, drame, romance. J'ai.
2011. Je devais avoir 15 ans, je regardais pas de film. La Reine des Neiges. Même pas le réalisateur, rien, Albé, rien, vraiment rien. Bon, on met des films, il y a plein de gens dedans, hein. Attendez. Noël Hollywood, il y a plein d'acteurs là-dedans. Il n'y a personne dedans. Tu veux un gros X, j'ai eu peur. Alors. Je Just Lay Here, hein. C'est un Star Wars comédie. Comédie. Drame, romance, un Star Wars. Les fameux Star Wars de 2011, soit Lego Star Wars. Fast and Furious, on sait jamais, hein, on savait. Fast and Furious, sûrement, qui est sorti en 2011. Le 5. Ah, il est trouvé sur Internet. Très bien. Eh bien. Titanic qui sort en 2011, évidemment. T'avais même pas un acteur en plus, rien. Donc c'est pas complètement connu, Pascal B. connaît. Mais, qu'on se pince, je tape C. Je tape un E, hein. Oh, attends. Pendant qu'on y est, hein. Fukushima 50, quoi? Non. Attendez, hein. Peut-être trouver un acteur, hein, on sait jamais. C'est le contraire. Et pourquoi pas? Ça paraît pas assez vieux, mais pourquoi pas? Pas du tout. Un C. Goubidou. Christmas quelque chose. Christmas. Mass. 2011, 2011. Pas du tout. Bien, on prendra quand même le Grinch. Cowboy. Et envahisseur. J'y ai cru, hein. Ah, 1h58. CR. Cristiano Ronaldo. CRI. Crime de l'Orient Express. Pas du tout. Criminal Activities. Y a qui dans ce film? Gra. Crazy Dad. Crazy Joe. L'attaque des crabes géants. Oh, la version là, live, là, ça va bien. Canal plus Netflix. Bon, ça chante là où ça parle, merci. Alors, Cro. Cro. Lara Croft. Même pas en prendre un acteur là-dessus, mais on est où là? On est où? Kraz? Kraz? Crazy Taxi. Et où les Grecs? 2011, Crazy Taxi. Pas du tout. Crase. Pas de Crase en 2010. 11. Ah. Donc il y a bien ce film. Il y a Steve Carell dedans. Bon, c'est ce qu'on va faire, hein. Attendez.
que je peux ouvrir YouTube en tapant Y sans avoir un site bizarre qui apparaît? Hop là, dans le doute, non. Crazy Love Stupid. Trailer. Puis des Imagine Dragons là qui chantent. Qui chante Taylor Swift pout pout. Oh, Steve Carell. Attendez, en français peut-être quand même. Au VO, au VO, au VO, au VO. Ah. Cette fois, she said! Pardon. Ah, le chat sur Michael, désolé. Ah, c'est dans cette scène ce film? Il est belle. Michael. Oh. C'est dans cette... Oh! Attendez. Vous l'avez, c'est bon. Allez. Oh. Quel homme, Michael. Un film à même, en fait. Putain, j'étais sûr que c'était dans The Office. Putain, il y a Muse en plus. Oh, le film parfait. Il y a Michael, il y a des mèmes, puis il y a Muse. Et Mastone. Attention Twitch. C'est la même, ça aussi. Arrêtez. Il y a trois mèmes dans ce film déjà. Retour ah non hop là ah oh, c'est ce site qui fait oh. Attendez attendez bougez pas je suis connecté Google ouais bon, perdu ou perdu allez. Félicitations ouais, bien sûr ouais. Film du jour non mais j'aimerais tous les films. Hop là. Attendez. Leak, pas leak, pas leak, c'est bon. Hop là. F11. Alors, le film de hier était bien évidemment San Andreas. Thriller drama. Chier, encore des trucs que je regarde pas. OMG! Après 2015, Warner Bros, c'est le Hobbit. Pas de Hobbit après 2015, très bien. My bad. Batman, allez. Batman Superman, Batman tout court.
va taper dans Batman contre Superman, c'était à chier. Voilà, je dis. Non, je plaisante. T'as juste mal fini. Alors. Thriller, Dram. Après 2016. Non, mais après 2016. Canada, Amérique. Logan. C'est pas Warner Bros, on s'en fout. Hop là. Justice League. Ouais, celui-là, ouais. Pas du tout. Puis les acteurs, ça va pas nous aider. Thriller et drame 17-21. Thriller-drame, thriller-drame. John Wick, c'est un thriller? Pas sûr, hein. Y a pas qui nu. J'ai pas du tout Warner Bros en fait. Joker? Non, non. Les années, ça colle pas. Ah. Well. Très bien. Crime, thriller et drame. Très bien, très bien, très bien. Bien, ouais, je dois pas trouver le film. Bah, si, je viens de le trouver, espèce de. Shit, je vais te cliquer. Putain, le bateau était pas loin. 1er novembre, c'est un film de guerre, donc c'était 1917. Voilà. Action. Pour la famille. 1917 est évidemment un film pour la famille. Anglais-américain, avec du français, avant 2019. Puis de production au Royaume-Uni-Amérique. Ça marche pas, hein, mais. Goose Bastard. Ah. Non, je fais une aberration là, histoire de. Voilà, l'opération est faite. Ah oui, une entrée au public, non, peut-être pas, mais non. Ah, c'est pas sur Netflix, c'est sur Canal Plus. Ah, même si une série, ça marche pas. Puis production, Malte, ah bon. Action, science-fiction. C'est quoi l'année? J'ai pas lu. Avant 2013. Mais Alien, c'est pas tout public non plus. premier contact, allez. 2016. Pouf. Entre 2007, 2013 et c'était non. Toujours pas d'acteur. Hein. Blade Runner, mais ça rentre pas dedans. Aucun d'entre eux. Et pour les acteurs, on prend langue principale, anglais, français, japonais. Star Wars, pourquoi pas en vrai? Ça marche pas les années en fait. Si, non. Je n'avais c'est. C'était 13. Je n'avais c'est là. Lego Star Wars, allez. Pacific Rim Job, non. Par contre, OCS, aventure, action, science-fiction.
Deux heures et des poussières. Terminator. Ils ont dit ça marche pas. Science-fiction. Il y a un autre truc de science-fiction un peu nul là. Truc of Tomorrow là. Edge of Tomorrow. Ça marche pas les années, espèce de con. Ah, Warner. Bon bah. Bah la musique là. Le son là, il pète. Ah non, c'est bon. Alita? Pas du tout. Ready Player One, c'est beaucoup plus vieux. Underworld. Celui-là peut-être. Et c'est pas Top Public. Bon, vu qu'il y a Warner dedans, est-ce qu'on serait pas sur un Superman là? Jurassic Park? Du coup c'est pour 2000, non c'est pas, non. En 2010, et bien Batman en 2010, sous public Batman évidemment. Moi c'est le anglais Royaume-Uni, anglais USA qui me trigger a little bit. Spider-Man, c'est pas Warner. Interstellar. 14. Journal intime d'une infomane. Je clique dessus. C'est pour les acteurs, évidemment. Non, c'est pas ça. Tout seul sur Mars, là. Pierre des proches, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mars, là. 2015, non. Pour les acteurs en pro, t'avais personne dans ce film. Robot et Checkman. X-Men? T'avais 52 acteurs dans ce film, puis on trouve personne. OCS. Warner et OCS. Science-fiction, aventure. Justement, une petite dose de japonais. Comment ça, Real Steel? Comment ça? La lanterne verte. 2011, mais on prend. C'est jamais. Non. Personne. Y a personne dans ce film. Warcraft? 2016. Bah non. T'as mis personne dans ce film. Y a vraiment personne. Anglais. Non, pas fait dingues. On attend quand même. Hein. Sur un entendu, il y a un vieil acteur là qui sort de nulle part. Mortal Kombat n'a pas fait un film. Non, mais science-fiction. Ça peut être large, hein, science-fiction. Bah, Mortal Kombat Rebirth. Pas du tout. Pas du tout. 2010. Je sais qu'elle est là aujourd'hui.
Ah, j'ai 14 ans, c'est mort. Anglais et américain. Action, science-fiction, aventure. Traduit en français, japonais notamment. Legendary Pictures. Je crois que j'ai tapé un, mais. Watchmen, Watchmen. Watchmen? Les mondes parallèles paradoxes. D'autres Watchmen, quand même, pour les acteurs, hein. T'as personne, hein. Oh là 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 là. Ça me laisse l'heure. Là, on est perdu, hein. Donc on tentera tout le tout pour le tout. Putain, personne. Titanic. DiCaprio, allez. Allez. Ça part de là. DiCaprio, DiCaprio. Bah, la toupie là, la toupie là, ah, c'est pion. Bah voilà, bah voilà, c'est parti, t'es capri ou putain. Action, aventure, aventure, Inception. On passe, ouais. Je suis le mec qui a eu son Oscar, pas sûr. C'est pas le film avec l'ours, hein. Allez, 31 octobre. C'est sûrement un film d'Halloween, donc Halloween. Halloween 2. Ah non. Après 81, USA. Donc Titanic. Love craziest Tram, chier. Drame à 2011, bah San Andreas, évidemment. Pas du tout, après 2015. Donc, ça va loin, là. Drame action. Drame action. Tout public. 2012. Ah, il marche pas, on est d'accord, mais... Star Wars, allez. Le 8, soit... Et le 8... Non! C'est sans celui-là. Après 2017. Pas Disney, pas Warner, pas Netflix, pas Canal+, pas Universal. Américain néanmoins en 2017. The Marine. Ah non. Ou pas de Michael Hickenbottom dedans, ni de Rebecca Keane. Ni de Mick mise en un. Premier contact. Encore? Pas du tout. Toy Story. Oula. 4. Après 2019. Ah. Attendez. Ah, j'ai cru, hein. Moins de 2 heures.
2019, trame action en anglais, mais il y a un plot twist. C'est pas un film, ça. Mimi Watson, attendez, c'est pas. C'est Carol, ça, non? C'est Carol de Walking Dead, ça, non? Attendez, je google juste ça. Mimi Watson. Pas du tout. Pas du tout, le côté de la plaque. N'importe quoi. La photo ressemble beaucoup. Drame action, drame action, drame action, drame action. Drame action, drame action. Action. John Wick. Le 4. Ah! Espagnol, anglais 2023. C'est pas sorti d'auberge. Hein. États-Unis. Oh! Ouais, l'espagnol dedans. Film Casse des Papels, ça va, mec? Encanto 2021, je prends. C'est jamais, hein. Oh. Attendez. Attendez. C'est parti de DiCaprio l'autre fois. Ok, pas cette fois. Alors, Casa de Papel, je tente. Hein. Voilà, y a... Casa de Paraíso. Pas du tout. Le temps était juste. Qui a produit ce film en fait? Pas Warner, pas Disney, pas du truc là. Bref, pas Pixar non plus, pas WWE Studio, pas Lucas, pas Warner. Pas Warner, c'est pas sur Netflix, c'est pas sur Canal+, c'est sur rien à peu près. C'est pas sur CS. C'est un film d'auteur, c'est ça? C'est quoi ça? Pourquoi l'espagnol est en langue... Il faut prendre des acteurs, on prend des acteurs. Où là, mec? Prendre le 2, hein. Y a personne dans ce film. Personne dans ce film. Y a même pas The Rock dedans ni Reynolds. On va où là? On va où là? Tenez-moi les Avengers là. Putain, mais y a personne. C'est en 2023 ça. Personne. Spider-Man. Palm Springe. Personne. Personne. Dans ce film. Mais à qui dans ce film vraiment? Wrestling, quelque chose.
Impact Wrestling Victory Road 2023? Royal Rumble 2020? Pourquoi des bébés fit catch? Gardien de la... Merde. Gardien de Galaxy 3. Mais pas Batista. Pas Vin Diesel, peut-être 2. Peut-être plus récent, il n'y a pas peut-être 3. On prendra peut-être 2. Hein. Il n'y a personne dans ce film. The Office. C'est jamais. Hein. Ouais, celui-là, là. Ça, c'est un film d'auteur de 14 minutes, ça. Mais personne. C'est diffusé nulle part, puis il n'y a personne dedans. Espagnol. Ouais, l'espagnol en plus. Mérico. Non. Mérico Barbaro 12. Ouais, on est bien là, non. Personne dans ce film, c'est une blague. Titanic. Si je fais ça. Merde! La bite! Quel con! Alors. Hunger Games, il y a des acteurs qu'on n'a pas pris là-dedans. Bordel. Redonnez-moi un autre. Y a personne dans ce film. Mais... Bordel. Mais... Ouais, j'ai un focus sur lui, mais bon, on sait jamais. Et plus après, hein. Mais. Y a personne dans ce film. Link vert, oui, bah. Ouais, on est plus après, de toute façon. Ah, Perry Pepper. Ça doit être vraiment ça. Et les aficionados là de Perry Pepper. Intérieur. C'est non. On y va. Tous les noms de films que vous avez là, on y va. On ratisse large là. Walking Dead, ils ont déjà compté le film dedans. Robot Chicken, Robot Chicken. Bordel. Un film avec le lion. C'est vous. Deadpool. Le 2. X-Men, toujours pas, mais. T'es mais que. Grand moyen, les grands remèdes. Perry Pepper. Suis absolument pas sur Google, hein, ne vous en faites pas. Creed 3. Ah, bah tiens, pourquoi pas. Ah, où suis-je? Où suis-je? Obscur. Creed 3, ah bon? Donc y a personne dans ce film donc.
Oui, il joue un rôle du fin fond du cul, là, un peu, voilà, notre Barry. Il est où? Barry? Il est où, Barry? Barry? Ah putain, ouais, Barry, il est au fin fond du... Allez. On en retente un encore. Ah, pas celui du jour, bon sang. Celui du 30, là. Creed, non. Titanic. C'est une romance. Chier. Les Smiths, là. Romance après 2005. Eh bien, écoutez, c'est 50 nuances. Pas 60, non. Pas du tout. Après 2015. Alors. Comédie romantique. Après 2015. Oh non. Oh non. Crazy Stupid Love. Ted. Deux. Six Friends. 2011. Oula! Oula! Et le Japon là. Sex entre amis. Ah! C'est celui-là que je pensais comme film en. Je meurs. Il était là-dedans lui. Comédie romantique américaine. Love Actually. 2003. Ah. Vous savez, je suis pas sûr du temps. Comédie romantique. Pitch Perfect. Pas du tout. J'ai même pas d'actrice. Oh. Pas super en Universal ni Canal. Chic, vous comédie romantique là. Wall Street, c'est une comédie romantique, ça, évidemment. Oh, putain, mec, qui es-tu? Qui es-tu, Victor? Comédie était là, normalement. Après 2017. C'est récent. Creed 3. C'est juste pour l'année, hein. C'est juste pour l'année. 2023. Chier. Barbie. Dame gauche, tape 1. Non. Romantique 2023, mais je regarde pas de film, encore moins ceux de cette année. Oh. Oppenheimer, c'est une comédie romantique, ça. Un peu surpris là-dessus, je vous dirais. Des gens qui sont au cinéma, là. Écoutez, j'ouvre une deuxième fenêtre. Victor Verkrug. Ah, ok, oui, je vais me faire spoiler là-bas. C'est quoi? J'aurais pu savoir en fait, mais vu que j'ai pas vu le film. Voilà. Faites celui-là. Voilà. Ouais.
Ah, mais il joue un triple second rôle là. Très bien, faisons une petite transition de qualité là. Pour